Lorsque l'empereur décida de détruire la République, il n'avait pas prévu qu'il aurait besoin d'alliances. Les Sith devaient dévaster la galaxie, exterminant au passage tous les Jedi, leurs ennemis séculaires, et démantelant la fière République. Mais l'empereur avait une vision cynique. C'était sans compter les sacrifices auxquels étaient prêts les courageux héros de la République. Après la prise du secteur Sesswana sur la bordure extérieure, l'armada impériale s'intéressa à la bordure médiane. Croyant que la République ne s'était pas encore remise de ses lourdes pertes, les forces impériales chargèrent dans l'espace Botan, où elles furent surprises par l'intégralité de la flotte de la République. La flotte de la République anéantit l'escadron impérial, et la bataille de Bothawui devint la première grande victoire de la République de cette guerre. La nouvelle se répandit dans la galaxie, ravivant les espoirs perdus et redonnant du courage aux défenseurs épuisés. La flotte de la République s'en alla, mais une armée courageuse de soldats de la République et de Jedi resta sur Bothawui pour attendre le retour de l'Empire. La réaction des Sith ne se fit pas attendre. Des croiseurs impériaux venus de toute la galaxie rejoignirent l'espace Botan pour combler leurs pertes. Un bouclier planétaire très puissant protégeait Bothawui des bombardements, obligeant les forces impériales à attaquer au sol. Le maître Jedi Belth Allusis, près de 80 des meilleurs chevaliers de l'ordre et 400 soldats de la République étaient prêts à défendre les générateurs de boucliers, jusqu'à la mort. L'inégalité était stupéfiante. Une armée impériale sans précédent de 50 000 hommes se jeta sur les vaillants défenseurs de Bothawui. Les défenseurs firent face, sans aucun espoir de survie. Ils ne pensèrent qu'à leur devoir. Mais les commandants impériaux trop confiants concentrèrent toute la puissance de leurs armées dans un assaut direct, et leurs forces terrestres tombèrent en masse. Pour chaque soldat de la République tombé, 10 impériaux furent tués. L'Empire fut obligé d'appeler des renforts. Malgré la détermination des défenseurs, il ne resta bientôt plus qu'une poignée de soldats et de Jedi. Ils rejoignirent le maître Jedi Allusis pour un dernier effort. Le grand moff impérial Zelos proposa d'épargner maître Allusis s'il acceptait de se rendre avec ses compagnons. Ni la fierté ni la témérité n'influencèrent les défenseurs. Ils étaient guidés par la force. Ils n'avaient plus peur de la mort. Personne n'oublierait leur dernier effort glorieux. Allusis et ses hommes tombèrent, mais les impériaux avaient dû battre en retraite. La bataille de Bothawui fut un succès. Les héros de Bothawui inspirèrent d'audacieuses stratégies à la République qui arrêta la progression de l'Empire. Mais rétrospectivement, la République perdit trop de systèmes au cours des premières années de la Grande Guerre. La brillante stratégie de l'Empire fut parfaitement exécutée. La République ne pouvait qu'espérer survivre. J'ai passé beaucoup de temps à reconstituer les projets originaux de l'Empereur et j'en suis arrivé à une théorie assez surprenante. Je la développerai dans mon prochain rapport.